Bon, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà, vous avez été nombreux et nombreuses à m'avoir envoyé des messages, savoir comment ça allait, pourquoi j'étais absent pendant quelques jours. Bon, comme vous doutez bien, j'étais un peu malade. Donc là, je suis resté quinzaine de jours, confiné à la maison. J'ai fait abstraction un peu de réseaux sociaux et tout ça. J'ai vraiment pris un peu de temps pour moi, pour me reposer et tout. Là, c'est bon, j'ai repris du poil de la bête, pardon, je suis requinqué. Et voilà quoi, donc ne vous inquiétez pas, en tout cas merci à toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des petits messages pour savoir comment ça allait et tout. Et voilà, hein. Pas facile du tout cette année 2020, hein. Je pense pour tout le monde, mais bon, Dieu merci, on a la santé, on est présent, c'est le principal. Bon là du coup, je monte sur l'île, je vais aller voir un peu la famille, je vais aller voir ma grand-mère, je vais... Parce que la pauvre, franchement, elle s'est faite opérer la vendredi passé, encore une fois. J'ai encore une fois, parce qu'elle s'est faite opérer au mois de juin. Plus, elle est restée 2 mois à l'hôpital. Plus là, c'est reparti dans une opération par rapport à son cœur. Franchement, c'est une... L'année 2020, c'est une triste année. Mais bon, il faut rester positif. Là, je vais... Ça fait du coup, je vais me rapprocher un peu là, de ma famille quelques jours. Et voilà, hein, j'ai mon père aussi qui vient de se faire opérer là mardi. Décidément, l'année 2020, j'ai hâte qu'elle se termine, franchement. C'est moi qui fais ça pour elle, donc du coup elle me rend fou. Je suis bloqué au studio, ma belle croit pas que je suis dans le four. Tu sais, je suis pas trop fan d'elle, mais pas du genre à faire le sou. Et même si je suis attaché, mon objectif c'est de faire des sous. Et si un jour quelque chose s'est cassé, froid, c'est faux. Ça y est, je suis arrivé à Lille. Voilà. Ouais, ma gueule.